Vous écoutez le podcast Dividende Club, l'émission de ceux qui veulent toucher des dividendes de manière passive pour pouvoir profiter de leur temps, se consacrer à leurs projets et à leur famille. Chaque semaine, venez analyser les meilleures entreprises du monde avec un gars qui investit 100% de son cash dans les actions à dividendes. Bienvenue sur le podcast du Dividende Club. L'émission de ceux qui touchent des dividendes en assistant à une marche sur le feu à l'île de la Réunion. Je suis Romain du site DividendeClub.fr et aujourd'hui nous allons répondre à la question suivante. Quelles sont les cinq principales méga tendances et surtout comment en profiter et choisir les bonnes actions pour votre portefeuille Donc, première chose, on va définir ce qu'est une méga trend, donc une méga tendance. Euh, une méga tendance, c'est bah, tout simplement une tendance qui pourrait changer l'économie mondiale, les affaires et la société, donc sur un horizon long terme, donc sur plusieurs décennies. Et en gros, ce sont des tendances qui changeraient nos vies. Euh, donc, il y a des choses déjà qu'on commence à voir et on va en parler. Donc, j'ai relevé cinq principales méga tendances. Je suis allé chercher euh, bah, tous les. Tous les chiffres sur le site de BlackRock. Donc la première, c'est tout ce qui est lié à la technologie. On considère que d'ici 2025, 75 milliards d'appareils seront connectés à Internet contre 30 milliards aujourd'hui. Donc ça veut dire que d'ici 5 ans, il y aura deux fois beaucoup plus que deux fois plus d'appareils qui seront connectés à Internet. Et euh, bon bah des exemples de, de méga-tendances au niveau de la technologie, on aurait tout ce qui est lié à la robotisation, euh, l'intelligence artificielle par exemple. Deuxième euh, méga-tendance, on aurait tout ce qui est lié à la démographie. Donc l'étude dit que d'ici 2030, on aurait une augmentation de plus 45% des personnes âgées de plus de 60 ans, sachant que la grande majorité se trouverait en Asie. Et donc ça développe des secteurs comme bah, les secteurs de la santé avec les vaccins euh, notamment pour que bah, effectivement les gens vont euh, vivre beaucoup plus longtemps. Et, euh, bah, euh, alors là, c'est lié au fait euh, d'investir en bourse pour moi puisque si on considère qu'il y aura beaucoup plus de personnes âgées, donc beaucoup plus de personnes à la retraite que de personnes actives, à un moment donné, comment on va payer les retraites Point d'interrogation et je vous laisse cogiter là-dessus. Troisième... Euh, méga méga-tendance, tout ce qui est lié à l'urbanisation. Donc, on considère que d'ici 2050, les deux tiers de la population mondiale habiteront dans les, euh, dans les grandes métropoles, ce qui représente deux fois plus par rapport à 1950. Et un exemple de mégatendance euh, sur ce thème-là, on aurait par exemple euh, bah, les voitures autonomes. Ensuite, euh, quatrième mégatendance, on aurait tout ce qui est changement climatique et les ressources qui sont euh, limitées. On considère que d'ici 2050, la moitié de l'énergie mondiale seront produites par tout ce qui est solaire et éolien, contre 7% seulement en 2015. Donc en termes d'exemple, je suis allé chercher tout ce qui est lié aux matières premières comme le lithium qui sert pour les batteries électriques. Et enfin, cinquième méga tendance, on aurait tout ce qui est lié, ben là c'est plutôt du domaine économique mondial, tout ce qui est lié aux pays émergents. On considère qu'en 2050, 6 des 7 plus grandes économies mondiales seront issues des pays émergents avec euh, la Chine et l'Inde en tête. Donc, euh, ce que ça m'inspire, c'est quoi C'est que je vais vous donner des exemples d'actions qu'il y a dans la watchlist du Dividend Club et qui sont en lien avec ces méga tendances. Donc, première chose, tout ce qui est euh, bah, changement des habitudes de vie qui vont faire qu'on euh, devrait vivre plus longtemps, donc avec la nourriture plus saine, etc. Vous pourrez aller voir donc, sur la watchlist du Dividend Club. Euh, donc, dans le lien en description, vous rentrez votre mail et puis vous le recevrez automatiquement. Euh, donc toutes les actions du secteur de l'alimentation et de la boisson. Ensuite, euh, tout ce qui est habitude euh, donc, de vie, comme euh, les loisirs pour euh, les trentenaires comme moi et les plus jeunes. On passe de plus en plus de temps sur tout ce qui est au, lié au streaming et, au, et aux jeux vidéo, donc au gaming. Donc on aurait des actions qui sont présentes dans la watchlist comme ben, euh, Microsoft, Activision Bizarre. Ensuite, si on devait prendre le thème des pays émergents et donc la Chine. La Chine, c'est un gros consommateur de tout ce qui est lié au secteur du luxe. Euh, donc dans la watchlist du Dividend Club, il y a une action comme euh, L'Oréal. Euh, qui euh, qui euh, prendrait euh, beaucoup beaucoup de valeur euh, d'ici euh, euh, les années 2050. Au niveau de l'intelligence artificielle, ce qu'il y a dans la watchlist, j'ai mis l'action BlackRock avec son système Aladdin, donc euh, l'algorithme pour euh, savoir quand acheter et quand vendre euh, les différentes actions. Au niveau du e-commerce aussi, qui prend énormément d'ampleur, une action dans la watchlist qui pourrait profiter de, de cette, de cette tendance-là, ce serait bah, UPS, donc tout ce qui est service de livraison. Et enfin, allez, encore une méga tendance, donc tout ce qui est paiement en ligne dans la watchlist, vous trouverez des actions comme Mastercard ou Visa. Donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'une méga tendance Ce sont les tendances qui pourraient changer l'économie mondiale et la société, donc changer nos vies dans quelques décennies. Les cinq principales, c'est celles qui sont liées 1 à la technologie, 2 à la démographie et au vieillissement de la population, 3 à tout ce qui est l'urbanisation, 4 changements climatiques et les ressources limitées, et en 5 euh, tout ce qui est euh, émergence des pays comme euh, la Chine, l'Inde, le Mexique, le Brésil, la Russie, l'Indonésie, etc., qui prendraient énormément d'ampleur au niveau économique. Et donc, si vous voulez avoir des actions qui sont en lien avec euh, ces méga tendances, euh, vous pouvez aller euh, donc sur euh, le, la watchlist du Dividend Club. Donc, pour l'appel à l'action, évidemment, hein, c'est ce que je vais mettre en avant. Comme on a parlé du vieillissement de la population, et euh, bah, je l'ai dit sans, euh, sans trop pousser là-dessus, effectivement, les retraites, ça va être très très dur de les payer, notamment en France. Euh, il y aura moins d'actifs, donc ce sont euh, nous et surtout nos enfants qui vont euh, bah, payer l'addition. Donc, s'il y a moins d'actifs pour payer les retraites, comment on va faire pour payer les retraites Donc, moi, la solution, en tout cas une des solutions que je propose, bah, c'est de se prendre tout simplement en main, de ne pas attendre de se faire avoir et euh, bah, d'investir tout simplement euh, dans, euh, dans des actifs euh, qui pourront effectivement faire de plus en plus de bénéfices et qui pourront nous donner une partie de ses bénéfices sous forme de dividendes et tout ça sur bah, toute notre vie tout simplement donc je vous invite à aller rentrer votre email dans le lien en description vous aurez accès à la watchlist du dividende club et régulièrement vous aurez des mails uniques puisque je n'envoie pas de séquence automatique donc chaque mail que j'envoie j'envoie une seule et unique fois euh, et après vous le reverrez plus jamais donc plutôt vous vous inscrivez à la à, à au Dividend Club, et plutôt vous recevrez les informations dont vous aurez besoin. Au niveau de la section 1%, le livre que je lis en ce moment, c'est Les New Market Wizards. Donc, c'est un livre sur les, les meilleurs traders qui ont été interviewés par Jack Swagger. Donc, pourquoi du trading Pourquoi Parce que ces personnes-là, il se trouve que les meilleurs traders, elles ont deux caractéristiques qui, moi, m'intéressent pour la gestion d'un portefeuille long terme. C'est tout ce qui est lié au money management. Donc il y a énormément de choses à apprendre sur la manière dont les traders gèrent leur capital, en tout cas les meilleurs traders. Et deuxièmement, et ça c'est la chose la plus importante, c'est la, la gestion des émotions. Donc ce sont des personnes qui, euh, qui ont pas mal de recul par rapport à la valeur de l'argent. Et qui sont beaucoup plus intéressés par le processus que par la performance finale. Elles considèrent que le processus amènera euh, une, une bonne performance. Et parfois, ça peut être dur parce que quand on perd de l'argent sur les marchés, et notamment sur l'investissement, on peut être tenté de vendre de suite en se disant que c'était une mauvaise idée. Et parfois, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il faut rester euh, ancré dans ses convictions. Et le plus dur, bah, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut rester ancré dans ses positions et quand est-ce qu'il faut. Euh, se dire, ben, coupons nos pertes, c'était un mauvais investissement, il faut vendre. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous ai tout dit pour aujourd'hui, on se retrouve au prochain épisode, ciao ciao